Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un dessert typiquement italien, un tiramisu sans œufs. Sa texture est incroyablement crémeuse et fondante. Et vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. Il nous faudra 80 g de sucre, 250 g de mascarpone, 20 cl de café, environ 24 biscuits à la cuillère et 2 cuillères à soupe de cacao non sucré. Et il nous faudra aussi 20 cl de crème liquide entière. On commence par mettre le mascarpone dans un saladier. Et on va le fouetter pour le détendre un peu. Voilà, maintenant on ajoute le sucre. On va fouetter encore un peu. Je récupère les fouets pour fouetter la crème. Donc je vais verser la crème liquide bien froide dans un récipient, si possible tout aussi froid. Et je vais fouetter la crème jusqu'à obtenir une belle chantilly. Voilà, elle a une bonne consistance. Maintenant je récupère mes biscuits et le café que j'ai préparé. J'incorpore la crème fouettée au mélange mascarpone et sucre. Alors j'en mets une première partie. Et je vais mélanger ça délicatement à la maryse. Je mets le reste de crème. Et je continue de mélanger. Maintenant, pour parfumer la crème au café et lui donner une couleur jaune clair, je vais verser une cuillère à soupe de café et je mélange à nouveau. Et voilà, regardez cette belle texture crémeuse et onctueuse. Donc voilà, tout est prêt, maintenant on va passer au montage. Je commence par imbiber les biscuits à la cuillère de café et on les plonge rapidement pour ne pas les détremper de café. Et on va les disposer pour faire une première couche de biscuits et j'ajuste la taille des biscuits si besoin pour que ça rentre bien dans le plat. Ensuite, je répartis la moitié de la crème. Et tout simplement, avec le dos de la cuillère, je vais lisser la surface. Et je fais une deuxième couche de biscuits, donc je les imbibe et je les dispose comme tout à l'heure. Et maintenant, je recouvre légèrement avec un peu de crème. Et pour avoir une belle présentation, je vais prendre le reste de crème que je vais pocher par-dessus. Donc là, j'utilise une douille ronde. Vous pouvez décorer selon votre choix ou tout simplement lisser la surface. Je vais pocher des petites boules. Et je termine en saupoudrant du cacao amer. On y va généreusement. Et voilà!
J'adore ce tiramisu sans œufs parce qu'on a une texture crémeuse et fondante. Et dans cette version, on n'a pas d'œufs crus dans la recette, donc c'est un plus pour les intolérants aux œufs. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à déguster et à se régaler. Regardez comme c'est hyper fondant. Les biscuits sont parfaitement imbibés, ni trop ni pas assez. Un vrai délice en bouche. Voilà, j'espère vous avoir inspiré pour votre prochain dessert. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye!